dit à Uri, va te reposer chez toi. Uri dit, Seigneur, je ne peux pas aller me reposer chez moi pendant que mon pays est en guerre. Bonjour à tous. Il y a quelqu'un qui va aider à interpréter. Je crois que ceux qui lisent la Bible, et najua wale wanaosoma Biblia, ils savent cette histoire de David. Wanajua historia hii ya Daudi. Ils maîtrisent bien la mission d'Uri. Wanajua vizuri kazi ya Uri. Il était le militaire, alikuwa mwanajeshi. Dans le royaume de David, katika mji ule wa Daudi, en Israël, uko Israël. Et quand Israël était agressé, na wakati Israël ilipokuwa imevamiwa, Uri est venu chez le roi. Uri s'était pris en otage, walipochukuliwa mateka, par la Babylone, na Babylone. Et les gens de Babylone ont demandé à l'Israël, watu wa Babylone wakaomba kwa Israël, les fils d'Israël, est-ce que vous pouvez nous chanter votre chanson? Kwa wana wa Israël wakaomba kwamba mnaweza kutuimbia nyimbo zenu? Ils ont refusé. Wakakataa. On ne peut pas manifester la joie. Hatuwezi kuwa na raha. Tant qu'on est en otage. Wakati tumechukuliwa mateka. Je n'ai pas le temps de manifester ma joie aujourd'hui. Sina muda wa kufurahi leo. Nous avons la douleur. Tunakuwa na uchungu. Nous sommes dans la guerre. Tuko katika vita. Prochainement, hapo baadaye, cette joie-là. Tutakuwa na furaha. Et l'ennemi sera bouté dehors. Na adui atakuwa ameondoka nje. Merci à tous. Asante kwa wote. Merci. Asante. Acclamons très fort pour le salut du Seigneur. Acclamons très fort pour le roi des rois. Shangilia Bwana kwa. Kwa mshindo mpokea. Kiongozi wa jiji letu la